Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin après un mois d'absence pour l'épisode 2 de la série Man Friend. Je suis avec notre nouvelle invitée, salut à toi, Yang ou Yang d'ailleurs, je suis pas certain. C'est Yang de chat, comme un Y. Yang, d'accord. Pourtant on dit Yang de chat. Ouais, mais... ouais, non. D'accord, ok. C'est mystérieux, ça commence de façon mystérieuse. Tu es donc notre nouvelle invitée. Je vais juste revenir avant de faire les présentations un petit peu sur le contexte de cette série. Donc, Mind Friends, j'invite à chaque épisode un nouvel invité. J'ai trié toutes vos candidatures parce que je ne l'avais pas totalement fait encore avec lorsque j'avais invité Hiro. Là, j'ai trié toutes vos candidatures et j'ai répondu à peu près une vingtaine d'entre vous. C'est super bizarre ce bruit. Je savais pas qu'il y avait changé un point 9. Vas-y, travaille, c'est parfait. Ah là, c'est beau tout ça. Donc j'ai trié toutes vos candidatures, j'en ai répondu à certains d'entre vous, et donc j'ai enfin accepté les premiers invités. Tu faisais donc partie de ceux à qui j'ai répondu par mail. Tout à fait. Et donc on va enfin pouvoir reprendre le bon rythme sur cette série. Il n'y a pas vraiment de rythme d'ailleurs, je tiens à le préciser. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont dit « Oh là là, il a déjà arrêté sa série !» Non, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de rythme fixe dans Mind Friends. C'est normal puisque c'est une série qui est très particulière à tourner de mon côté. Mais elle n'est pas abandonnée, loin de là. Et je pense que j'ai tout dit, donc tu nous as fait un petit chant, c'est super. Oui, il en manque un, ça me serait... Il manque un... Ah ouais, une graine, là. Ouais, ouais. En effet. Toc, toc, toc. On va essayer de l'avoir. Ah, moi, je l'ai eu, c'est bon. Voilà, donc on est de retour après une toute petite ellipse. On va passer, du coup, à ta présentation, maintenant que le petit chant, la bonus, est terminé. c'est vrai que c'est pas mal, d'ailleurs, parce qu'on a assez peu de nourriture. Alors... qu'il y avait besoin. Bah ouais, il y en avait besoin, ça servira. Donc je t'invite du coup à te présenter, à expliquer un petit peu qui tu es. Et ensuite on partira un peu à la récolte de ressources, on va peut-être améliorer le champ, voilà, toutes ces petites choses-là. Ok, bah écoute, moi je suis donc Yang de chat, avec deux R. Et oui. Je suis une jeune fille de 26 ans. Je préfère dire jeune pour éviter de me vieillir trop, parce que bon, bah 26... Ah bah 26 ans, t'es une vieille, hein, je préfère le dire cash, hein. Non mais là je suis désolée. Merci, mais... ça fait toujours plaisir. Ah mais de rien. Et donc, ben, dans la vie, je suis opératrice de saisie, donc j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui, et opératrice donc, de saisie, c'est quoi? Je ne connais pas. C'est... Bon, bah en gros, tu as des factures qui apparaissent sur ton écran, et tu dois retaper les informations de ces dites factures dans des champs. Ah, ça voilà. A l'air cool. Ça a l'air hyper passionnant, si tu peux dire. Là, je pense que tu as donné la vocation de beaucoup de jeunes qui nous regardent, qui vont se dire « Maman, surtout pas maman plus tard, je veux être opératrice de saisie. » Oui. Bah, honnêtement, au moins, j'en rigole, mais... tu penses plus à toi. Voilà, j'en rigole, mais si c'est pas cool, je compatis. Je compatis. toc, toc, toc. Donc, d'accord. Oui, donc tu n'es pas... Voilà, tu as 26 ans, ce qui est, pour l'instant, au final... Presque normal finalement, vu que Hiro était aussi finalement quelqu'un d'assez vieux. Mais je n'inviterai pas que des gens qui ont la vingtaine dans cette série, ne vous en faites pas là-dessus. Je préfère le dire aussi encore une fois avant de me faire taper dessus. Mais j'imagine même pas les gens qui ont 40 ans qui regardent ta vidéo ce qu'ils doivent se 40 dire. 40 ans, en ils fait. Ont 40% de plus de chances de participer dans la série. Et oui, c'est incroyable. Non, voilà, ça ne marche pas comme ça non plus. D'accord, donc petite présentation sympathique. Tu m'avais dit aussi que tu avais une petite chaîne YouTube, alors encore une fois, je vais vers les grottes si jamais tu veux me suivre. Ouais, et surtout, je vais réagir par rapport à ça. Ouais, dans la petite faille qui est juste à côté. Finalement, on en parlait juste avant. C'est vrai que tout le monde a un peu une chaîne YouTube en ce moment, ouais. Mais autant en parler quand c'est le cas, parce qu'il n'y a pas de raison de forcément le cacher. Tu fais quoi dessus sur ta chaîne? Bah alors moi j'ai deux chaînes, j'ai une chaîne gaming où il y a un petit peu de tout. Ouais. En ce moment justement il y a du Minecraft, je fais une série sur Pixelmon. Pixelmon, ouais. Et sinon j'ai une deuxième chaîne plus podcast. Donc là ça ressemble beaucoup, j'ai envie de dire, à SLG parce que je suis beaucoup inspirée de ce garçon qui fait très bon travail. D'accord, ok. Eh bien écoute, pourquoi pas. Donc nous... Ce qu'on va faire, j'aimerais bien en fait qu'on soit stuff fer, que les invités à chaque fois aient leur petite armure de fer. Donc on va essayer de récolter du fer aujourd'hui, et puis si on trouve du diamant, je t'inviterai un épisode de plus. Non, je rigole, ça marche pas comme ça. Un diamant, un épisode. Vite, du diamant. Non mais voilà, il nous faudrait un peu de ressources. Je rappelle un peu l'objectif de cette série maintenant qu'on a fait toutes les présentations. C'est de déjà c'était découvrir un petit peu la 1.9 puisqu'on est en snapshot 1.9 et aussi du coup d'aller dans l'ender, d'aller dans l'ender, ce qui est assez long, assez dur, mais voilà, vu qu'à chaque fois ce sera une série qui sera à deux avec un invité qui m'aidera à chaque fois, ça devrait le faire.
et donc d'éliminer le dragon et découvrir un petit peu les nouveaux ajouts, à savoir... on va redescendre parce que c'est un cul-de-sac ici. Ouais. À savoir que la semaine prochaine sortira normalement, alors à moins que ce soit retardé, la vraie version de la 1.9. Oui, c'est vrai qu'on peut plus parer avec les épées. La vraie version de la 1.9, donc on sera plus en snapshot voilà, à partir de la semaine prochaine. Mais on sera donc bel et bien sur la version finale de la 1.9. Mais l'objectif ne changera pas, c'est juste qu'il y aura peut-être Optifine et tous ces petits trucs là, les petits shaders, tous les trucs qui font plaisir. Mais l'objectif devrait rester le même et ce sera toujours l'occasion finalement de faire une petite aventure Minecraft pour découvrir la 1.9. D'ailleurs, en parlant de ça, tu connais un peu la 1.9 ou pas toi? Bah j'avais regardé vite fait des trucs, j'avais vu qu'il y avait des caps pour voler, des améliorations PVP, ce genre de choses, mais je t'avouerais ne pas avoir testé en direct. Bah, en fait c'est un peu pareil, ouais, je me suis renseigné dessus mais j'ai pas testé. Et quelqu'un m'avait dit que je pouvais activer dans les... Alors je sais pas où. Là ça va être chaud à trouver mais on va chercher. C'est quoi? Le petit effet qui me dit quand je peux retaper en fait avec mon épée. Ah alors tout à l'heure j'ai essayé Attaque de taper indicator, des moutons. Attaque indicator, voilà j'ai trouvé. Hot bar, ça doit être ça. Et genre c'est écrit quelque part ça que tu Ah ça y est j'ai trouvé. Ouais, ouais. En fait dans les options, tu peux activer un truc qui est dans Video Settings qui s'appelle Attack Indicator. Ouais, super, un petit peu de fer. Et en fait lorsque tu mets un coup, t'as une petite icône en bas à droite qui apparaît et qui te signale lorsque tu peux retaper. Et vu que je connais absolument pas le bon rythme, bah, je préfère avoir la petite icône. Au moins on n'aura pas de soucis. Vous voyez par exemple lorsque je sors l'épée, il y a une seconde et demie pendant laquelle je ne peux pas taper. Bon, je peux taper mais ça servira à rien. Alors j'ai mis Hotbar. Ah, tu vois l'icône elle se recharge. Ouais. Ouais, exactement. Donc c'est plutôt pas mal. Ça va, c'est rapide en vrai. Qu'est-ce que j'ai passé là? Ok, j'ai pris des dégâts, ça m'a fait reculer. Ouais, c'est rapide en vrai. C'est rapide, mais ça change totalement par rapport à avant. Ah oui, un petit rebond. Il vaut quand mieux. Tu ouais, t'as vu ça? Ouais. C'est drôle. Il vaut mieux s'entraîner un petit peu avant d'aller dans le Nether et tout ça. Parce que là, ça va, il y a des petits zombies de temps en temps, c'est pas la fin du monde, mais dans le Nether, ça va être. Un peu plus l'enfer. Qu'est-ce qu'on fait du coup avec tout ce fer? T'en as combien? Là j'en ai pas eu beaucoup, je crois qu'on s'est fait un petit peu arnaduper. J'en ai eu qu'un. Ah mais il y en a là encore. Parfait. Ouais, mais il y a pas grand chose en fait en vrai. Bah en fait, ce que je te propose... On va remonter, on va faire chauffer tout ça. Et je crois qu'il va falloir creuser encore un peu plus. Cette grotte c'était pas mal par contre pour faire des ressources de base. Oui. C'était cool de tomber dessus. Mais attends, c'est où qu'on remonte? J'allais dire c'est pas éclairé, c'est pas normal. Ouais, c'est... Où est-ce qu'on est là? Ah, c'est là, voilà, c'est ici. Ok. On va retourner rapidement à notre magnifique maison qu'il faudra peut-être améliorer un jour. Faudrait que je chope un invité qui soit doué en construction, en fait. Je sais plus si dans la candidature que j'ai acceptée, il y avait des builders ou pas. Mais ce serait la bonne solution. Comme ça, moi, je passerai l'épisode à le regarder construire et on aura une belle maison à la fin. Ouais, parce que c'est sûr, c'est pas moi qui vais t'aider là-dessus. Non, bah écoute, c'est pas moi non plus. Mais déjà, les chances, c'est bien. C'était une bonne idée. D'ailleurs, t'as un petit pseudo, du coup, c'est cool, faudrait que je m'en fasse un aussi. Waouh, comment il y a... Waouh, il y a plein de squelettes là-bas. Bah, au pire, il faut aller dormir, alors. Mais ils volent. Enfin, ils flottent, tu veux dire, c'est bizarre. Quoi? Où ça? Regarde. Là-bas. Pas, ils sont sur du sable. Bah non. Ah, il y en a un qui vient de disparaître. Par contre, c'est quoi, ça? Hé, c'est un villageois infecté. Mais attends, il est trop bizarre, lui. Ouais, c'est... On dirait un vrai zombie en fait. Bah ouais, sauf qu'il a un mono-sourcil un peu bizarre mais... Il a rien looté. Si, il a looté de la rotaine. Non, j'ai cru qu'on avait attiré Ouais, les... mais il a rien looté de spécial. Non, rien de spécial, mais je crois que les villageois zombies, je crois qu'il n'y a pas de grande différence. À moins que je me trompe. On va éclairer le champ parce que sinon... Bon, du coup, ça chauffe... Ouais. Ah bah oui, il se diffère là que j'ai pas mis, forcément. Poser le mien, paf, voilà. Il reste un four en haut, je vais avoir un peu de charbon dedans. Ah non, je vais en avoir besoin pour faire des torches. Toc, bah si tu veux, ouais, il m'en reste un petit peu, voilà. Charbon. La rotaine, j'en ai pas besoin, ça non plus. Que nous faut-il? Bah finalement, pas grand-chose parce qu'on en avait déjà dû faire. Toi, tu t'es fait un seau. Un seau. Oui. On va se créer des petites armures de base, je vais te faire un plastron. T'en as pas, non? Non, j'ai rien du tout. Ouais. Alors un deuxième plastron. J'ai mon armure de dresseuse Pokémon, mais c'est tout. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ton skin, c'est un dresseuse Pokémon. J'étais pas sûr, j'ai pas osé le dire. Merci. Mais c'est ça. Hop. Du coup, il y en a là. On va faire un petit pantalon. Toc. Il faudra un deuxième pantalon, je sais pas s'il y aura assez. Oh oui, s'il y aura assez. Ouais, au pire, c'est pas très grave. Et est-ce que tu as une pioche en fer? Non, mais oui, il m'en faudrait une, oui. Alors, où est-ce que tu es?
C'est toi là-bas ? Oui, d'accord, c'est toi là-bas. Je suis à la tâche. Tu es efficace. Hein. Là-dessus, on peut pas dire le contraire. C'est bien parce que finalement, c'est pas tellement éclairé, mais il n'y a pas de monstre ici. Merci pour les gens. C'est pas mal, je sais pas. Peut-être qu'il fuit en voyant la maison et il se dit « Oh, c'est quoi ce truc horrible ?» C'est horrible. Du coup, ils osent pas s'en approcher. C'est peut-être pour ça que tu es tombé, non ? Oui, mais j'étais reparti. Okay. Ah, mais du coup, avec ouais, le pantalon, tout ça, on a ce qu'il faut. Bah, je prends quand même de quoi faire une pioche que je vais te donner. Puis on va essayer de descendre un peu, du coup. Mais tu veux pas avancer un peu dans la faille, voir s'il y a pas... Bah, vas-y, va voir au fond de la faille si tu veux, mais je pense qu'il y a plus grand-chose. Ça, en bois, c'est nul. Ficelle, voilà. C'était une feinte, en fait. C'est pas une vraie faille. En fait, il manquerait un fer. C'est ça, il n'y a rien au bout. D'accord, bah s'il n'y a rien au bout, écoute. Tant pis, bon, ce sera toi qui as le seau. Moi, je n'ai pas le seau, c'est pas bien grave. Oui. Allez, reviens du coup, on va descendre à nouveau. Attends. Non, en fait, il est posé. Il est posé quoi? Bah, il est dans la maison, le seau. Ah bon? Oui. Bah, on va le chercher parce que ça peut servir pour la suite. Ouais. On va descendre, on va creuser vers les couches du diamant et puis on va se balader, on verra bien. Ce qui serait cool, ce serait d'avoir des mineshafts, des petits trucs comme ça. Ouais, je le vois. Il est là. Bah ouais, je prends le même trou. Ouais. C'est quoi ces petits cœurs là quand je tape les ennemis? On dirait que je leur donne de l'amour. Non, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. Ouais, c'est peut-être que c'est un coup critique. C'est mais avant c'était des. Ou quoi? Avant c'était une particule blanche les coups critiques. Donc là il y a beaucoup d'ennemis. C'est pas par là que je vais m'en sortir. J'aimerais bien récupérer de l'eau en fait avant de te rejoindre. Ah bah voilà et tout d'un coup il se met à pleuvoir. Formule magique. Tu voulais de l'eau. Ouais. Mais non mais je veux pas de l'eau comme ça moi. Voilà je veux de l'eau comme ça. Parfait. Allez je descends j'arrive. Et hop. Super. Et même le bruit de l'eau a changé le bruit de la pluie. Ah j'ai pas fait attention. Hop. Voilà tu verras si jamais on ressort et qu'il pleut encore. Tu as commencé à creuser d'un côté ou pas alors? Oui, alors j'ai commencé là où tu avais pioché en bas. Ouais. J'entends de la lave en plus. Là où il y a du... Eh ben on va essayer de rejoindre ça et c'est pour ça que j'avais besoin du seau d'eau. Et tiens, oups, j'ai jeté un peu trop tôt. Tiens. Merci. Même si je pense utiliser plutôt davantage la pioche en pierre pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Tac, 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 tac. Tant qu'on n'a pas trouvé un tout petit peu plus de fer, on va Du coup, est-ce que je peux faire quelque chose de bien pendant que tu creuses ici? Bah vas-y, creuse de l'autre côté. Creuse ici, là, regarde. Tu l'entends, là? Moi, je l'entends. J'entends pas, non. Les blup blup. Attends, je les entendais plutôt par ici. Là. Là, là. Là, ça sent la lave, là, par là. Bah vas-y, essaie de creuser jusqu'à la lave. Moi, j'entends pas, pour le coup, j'entends pas. Là, on est à quelle couche? Attends, surtout, je suis n'importe. Attends, mais attends, mais... What? On est à la couche 12, là? Bah... Non, on est super bas, en fait. Bah ouais, c'est une faille, hein, donc de base... Attends, mais on est... De base, on est bas. Couche 12? On n'a pas trouvé un pet de redstone, ni d'or, ni... J'avais l'impression d'être dans des grottes basiques tellement il n'y avait pas de ressources ici. Du coup, ouais, bah la lave, c'est couche 11, hein, si j'ai pas de bêtises. Attends, je suis à combien, là? Tout. J'ai cru entendre quelque chose, quand même, ici. Je suis en 9. Il y a un zombie, là, par exemple. Oh, de l'or. Et la lave se rapproche. Ah, j'ai la pisse. Donc ouais, j'ai de l'or. C'est le zombie qui se rapproche, c'est le zombie qui se rapproche. Oh bah, j'ai trouvé de la bedrock. Haha, je suis parti un peu bas. Purée, on est super bas en fait. Bon, j'entends... Ah bloup, 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 bloup. Qu'est-ce qui se passe ? Tu l'entends ? Ouais, bloup, 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 bloup. J'entends ça. J'entends toujours le zombie. Ouais. Ah, toi aussi, mais je sais pas où il est, mais je l'entends. Là, le bloup, bloup, j'entends plus trop. Je vais te rejoindre parce que je pense que c'est sur la bonne voie. Il a l'air super proche, le zombie, en vrai. Ouais. Il est au-dessus, il est au-dessus. Ah, il y a un creeper. Ah, il est là. Oh là ! Oh, oh là là ! Oh là là ! Oh là ! Ah ! C'est quoi ce truc ? Oublie pas ton pseudo. C'est bon, c'est bon. Mais tu pouvais les frapper, les y accéder au moins, ou pas ? Bah, en fait, vu que t'es devant moi, j'ai préféré éviter pour pas te mettre de coups. Ah, mais t'étais juste derrière, d'accord. Ouais, ouais. Non, je pensais que t'avais pris un autre chemin. Oh, oh, attention. Ah. Non, c'est bon, c'est bon. Oui ! Enfin. Victoire, ok, on y est, mais bon, c'est nul en fait. Mais il y a tout ce qu'on cherchait. Mais non, mais c'est nul, il y a que dalle ici. Bon, on prend la redstone, on prend tout ça, mais... Éternel insatisfait. Tu vois, finalement, oui, bah ça c'est bien connu. Finalement, je trouve que ces nouveaux bruits, ça ajoute un petit renouveau quand même au jeu. Renouveau que je trouve plus soft et plus plaisant déjà que je dois taper toutes les 1,5 secondes pour mettre des dégâts. Ouais. Qui est un peu plus chiant qu'autre chose. Couche combien on est là? Couche 11, allez, on va miner par... Ouais, moi je suis... Oula 13.
13, c'est toujours bon comme couche, ça, pour trouver des choses mais intéressantes. Je crois que c'est la 11 qu'il faut miner parce que c'est la la 11. couche et la lave. Hein. Ok, je redescends. De toute façon, je pars dans une direction et puis on verra bien. Ouais. Sinon, côté anecdote, parce que c'est aussi le but et je vois que le temps passe. Tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose d'intéressant à nous raconter? Eh bien, écoute, je peux te raconter ma première soirée sur Minecraft. Waouh. Qui était il y a longtemps. Alors, ah je sais plus, au je moins crois que le 4 jeu ans. Était en bêta. Ouais, ah bah J'ai peut-être pas fait même 5 l'alpha, alors. ça c'est sûr. Mais ouais, j'avais commencé à la bêta. D'ailleurs, je sais plus, je m'étais repéré par rapport au prix que coûtait Minecraft à l'époque, parce qu'à chaque fois, ils augmentaient de quelques euros quand ils changeaient. Il a commencé à quel prix, Minecraft? 5 euros, non? 5, je crois, et après, Ouais, c'est il me passé à semble. 10, et maintenant, c'est 15, c'est ça? Quelque chose Bah comme non, ça. c'est même 20 maintenant. C'est 20 maintenant? Mais moi, je l'ai acheté à Oh là 10, là. Minecraft, si j'ai pas de bêtises. Eh bien, je crois que moi aussi. Je crois que moi aussi. Et donc, c'était, en fait, à la base, j'étais sur WoW et on m'avait parlé de ce jeu. Et comme je fais confiance à mes amis, j'étais partie voir. Oh là, de la lave. J'étais partie voir un petit peu à quoi ça ressemblait, Minecraft, ce jeu Ouais. qui commençait un petit peu à se faire connaître, pas trop. Et, ben, à première vue, je me suis dit, oh là là, c'est moche. J'étais pas du tout Bah, emballée oui, c'est toujours bizarre, par le hein, truc en première fait. expérience sur Minecraft. Et donc bon, bah, j'ai regardé quand même vite fait quelques petites vidéos pour voir de quoi elle en retournait. Je me suis dit, bon, éventuellement, on m'a dit que c'était bien. Je sais que cette personne-là me donne pas des infos pourries, donc je vais aller voir. Donc j'ai acheté le jeu et en fait, je me suis connectée un soir en semaine. Donc je bossais le lendemain Ouais. et j'ai trouvé de la redstone. Ouais, moi aussi, mais il y en a trop. Ça sert à rien à trop. Et donc en fait, eh ben, j'y suis restée jusque genre 3h du matin. J'ai plus un truc comme ça alors que je devais aller bosser. Y avait le multi ou pas encore dans le jeu? Je crois même Non, pas. il y avait même pas encore le multi. Je crois même pas. Et juste, on m'avait juste donné les indications comme quoi, bah c'est un jeu, tu vas voir, c'est trop bien. La nuit, il y a des zombies, tu dois te faire une maison pour te protéger. Basta. On m'avait juste dit ça. Bah en même temps, au tout début, il n'y avait pas grand-chose de plus Ouais, hein, dans c'est Minecraft. vrai, Il c'était ça n'y avait quoi. pas le Nether, il n'y avait pas... Et Mais c'était... Moi je te comprends parce que je me souviens aussi de mes premiers moments sur Minecraft, même si c'était un peu plus tard, je pense quelques mois plus tard. Et moi ce que j'avais trouvé incroyable et presque... Parce qu'il faisait... Ce qui m'attirait dans le jeu, c'était ce côté... Ouais bah en fait au début on est totalement désarmé, Ouais, c'est vraiment ça. très presque... C'est ça, ouais, super ferme dans un monde qui a l'air vraiment hostile. Et le but étant de comme ça, de grimper un petit peu dans les échelons et d'aller chercher dans les profondeurs des ténèbres, dans les grottes les plus obscures, quelques minerais comme ça, bien rares. Et du coup, il y avait la cinématique où on voyait le petit Steve comme ça qui s'enfonçait dans des grottes et qui faisait attaquer par des squelettes et des trucs comme ça. Et je m'étais dit, waouh, ouais, mais c'est trop bien, purée, c'est énorme. Et puis du coup, j'étais super flippé la première fois que j'ai joué au jeu parce que C'est j'avais ça. peur de toutes les C'est ça, grottes. j'avais Dès qu'il y trop avait un coin de peur. sombre, j'avais trop peur. Et aujourd'hui, voilà, laissez tomber ça. Ah, moi j'ai toujours peur, hein. Non, moi j'ai Moi, plus ça n'a peur. pas Non, tu changé. vois. Aujourd'hui, on se dit, non, mais sérieusement, j'avais peur Ah de non, moi faire je ça. flippe Aujourd'hui, on toujours. fonce dans les grottes, on se dit, ouais, couche machin, bidule, truc bidule. Je fonce ici, ensuite je fais ça et tout. Là, on est deux, ça va, mais quand je suis toute seule, je fais moins la fière, Ah, bah, moi ça va, tu vois. Moi ça va. hein. Et je regrette un peu ce moment où Minecraft était un peu Ah, la nostalgie mystique, finalement, mystérieux. du début. Et j'ai trouvé du diamant, et j'ai trouvé de la lave Waouh, bien. aussi. Donc le Bien, bien. diamant de l'épisode, c'était le but aujourd'hui. Eh ben, GG. Et on a réussi à l'avoir. Donc voilà, tout le monde a une petite finalement première expérience sur Minecraft. Voilà, moi j'avais commencé comme ça, pareil, en fait en solo, mais j'ai fait une partie solo qui a duré, enfin, j'ai joué quoi, 2, 3 heures, un peu plus. Puis je suis directement parti finalement sur un serveur multi derrière, Ah ouais, avec direct. des amis. Ouais, c'était Minefields à l'époque. Et j'ai quasiment pas joué du coup à Minecraft en solo. J'ai toujours joué en multi, mais même si c'était la même chose, hein, parce qu'on se faisait nos petites maisons et tout ça, mais du coup c'était en multi. Est-ce que tu as Voilà. connu le jeu Sapiens? Non, Alors, je connais pas ça. c'est un super vieux jeu qui, je crois, c'est un Abandonware, tellement il est vieux maintenant. Ouais. Et en fait, bah, ça m'avait vachement rappelé. Bah, en fait, Minecraft m'avait rappelé Sapiens, plutôt l'inverse, quoi. Oui. C'est genre, tu es un homme préhistorique Ouais. et tu dois avancer sur des maps en 2D. Et c'est pareil, tu dois récolter des ressources pour amener à ta tribu. Il y a une question de réputation avec les autres tribus et tout. C'est beaucoup survie en fait. Et je crois que c'est après ça, après Minecraft, que les jeux survie se sont vachement développés. Non, je Parce connaissais qu'avant, pas t'en ça. voyais pas en fait. Des jeux Avant, comme t'en voyais Rust, pas. ce genre Ouais. de trucs, il n'y avait pas ça. Arc, Rust, tout ça. Ouais.
Ouais. Eh bah écoute, il va falloir se laisser malheureusement. Ah bah t'as trouvé une grotte aussi toi. Eh bah oui, haha. Et j'ai ramassé plein de choses. Pas mal. Mais pas de diamants. Non, mais j'ai 6 or. Donc tu ne reviendras pas dans l'épisode suivant. Voilà, c'est dommage. Dommage. Qu'est-ce que c'est triste. Du coup, je t'invite à... Ah voilà, tiens, prends ce panneau. Oui. Mets un petit message n'importe où, je le téléporterai magiquement sur le panneau à côté de la maison. Ok. Et c'est, vous savez, c'est le panneau à signature pour chaque invité. Et nous, de notre côté, du coup, on va se laisser. Voilà, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de Mind Friends, mais je reprends du coup le rythme. Alors, encore une fois, je ne sais pas quand sera le prochain épisode. Mais surveillez un petit peu vos boîtes mail parce que j'en ai déjà, du coup, j'ai déjà accepté certaines de vos candidatures. Et j'en accepterai d'autres par la suite parce qu'il y en a encore quelques-unes que je dois encore lire et répondre pour la Horde. Tu vois, tu jouais la Horde dans World of Warcraft ? Oui. Oh non, mon dieu. Pourquoi je t'ai invité ? Je joue les deux aussi. Moi j'ai toujours été exclusivement de l'Alliance. Ah non, non. Et là, ça va me faire mal au cœur de mettre ça à côté de la petite maison. Allez, en tout cas, merci du coup d'avoir été présent aujourd'hui. Tu as été très productive. Hein. Oui. Là, c'est cool. Oui. Du coup, on a pu bien avancer et rattraper finalement ce retard de cette longue absence dans cette série. Et donc, on se retrouve bientôt, les amis, pour la suite de cette aventure, pour d'autres vidéos Minecraft. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Ciao.